Des corps découverts dans une fosse commune, des taximens motos qui dénoncent des tracasseries ethniques sur la route, des localités désertées à cause de la présence des groupes armés, des déplacés de guerre encore délocalisés, le Nord Kivu, cette province de l'Est de la RDC, République démocratique du Congo, a plusieurs fois coupé les souffles à tous les pays. La province est, depuis deux décennies, la base de toutes les rébellions et de tous les conflits ethniques. Alors même que les thématiques autour des élections ont désormais une place assurée au quotidien sur toute l'étendue du territoire national, l'afflux continu des personnes qui demandent une protection Nord Kivu rappelle que la situation demeure encore catastrophique. Première victime, en même temps que principaux acteurs de ces conflits, les jeunes. La violence est devenue la culture, surtout auprès de ceux qui ont moins de 25 ans. Une tranche d'âge qui représente plus de 65% des 80 millions de Congolais, selon l'Organisation internationale du travail. Certains affirment que des jeunes rejoignent les groupes armés juste pour défendre les terres communautaires. Tunachunga watoto zetu na wandugu zetu parce que ba étranger walikuwa mingi mu territoire yetu, donc shamba ya batate banatupatia ku jamaa, tunakamata ile shamba banataka tunyanganya yo, wakati banataka tunyanganya shamba itabidi tukamate silaha. D'autres soutiennent que les jeunes deviennent miliciens à cause du chômage. Avec un secteur informel qui couvre 95% de la population active, la RDC est un pays qui, selon la Banque mondiale, devrait créer 2 à 4 millions d'emplois chaque année pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail et réduire la pauvreté. Et par manque d'embauche, un rapport de la Banque africaine de développement, publié en 2012, affirme que le chômage pousse de nombreux jeunes à la délinquance. Nous voici au campus du lac, affectueusement appelé Kinyumba, pour vérifier cette thèse. Les jeunes qui manquent de l'emploi, ils s'enrôlent facilement dans les groupes armés parce qu'ils n'ont pas d'occupation. Si la jeunesse était bien occupée, si on avait des boulots, si on avait des travaux qui rémunéraient bien, les jeunes ne pouvaient pas être plus facilement manipulés. Un troisième groupe parle de la question identitaire. Les mâles qui rongent le Nord Kivu, dont Kinyumba, n'est que les reflets de la société. Surpeuplés et avec des conditions d'études déplorables, les campus du lac abritent 5 institutions de l'enseignement supérieur et universitaire de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, dans un même bâtiment. Ici, les études sont caractérisées par des bagarres et mésententes à caractère ethnique. Il y a des trucs qui se passent comme anguille sous roche. Alors, quand on se bat, c'est parce que, surtout quand on est en train de se battre contre nos droits, donc pour revendiquer nos droits,
et qu'elle ne nous comprend pas surtout. Là, on arrive aussi à nous faire remarquer que la ville comprenne que nous sommes en train de revendiquer quelque chose de bien. Et quand quelqu'un s'oppose à nos idées, eh ben, c'est comme quelqu'un qui veut de se mettre dans notre chemin. Voilà en réplique. Observant et traité non écrit, toute activité étudiante dans les locaux de Kinyumba s'est faite à travers les prismes Grand Nord, la partie nord de la province, et Petit Nord, sa partie sud. Si les recteurs de l'université ou les directeurs généraux d'un institut supérieur est du Nord, les présidents du comité des étudiants devraient, avec ou sans même organiser des élections, être nécessairement du Sud, et vice-versa. Et les jours des élections, étudiants, enseignants, autorités académiques, parents, amis et connaissances de la même ethnie y assistent pour veiller à ce que les règles du jeu Grand Nord-Petit Nord soient observées. C'est pour jouer le contrepoids. Prenons par exemple les facultés qui ont plus de gens. Dans un auditoire, il y a 150-200 personnes. Alors, dans ces 200 personnes, il y a une majorité des gens des Grand Nord. Alors, si on fait les élections et que un candidat du Grand Nord postule, c'est facile que cette personne puisse passer et devenir un CP. Je trouve ça logique qu'on puisse équilibrer les choses, qu'on puisse donner aussi les voix aux gens de paix des voix, donc des gens qui n'ont pas la majorité dans cette salle-là. S'il y avait des gens de petits CID qui ne sont pas majoritaires, et qu'il y ait un candidat de petits CID qui postule, moi, selon la politique que je peux appliquer, c'est encourager ces candidats-là à passer parce qu'il sera les porte-parole de cette minorité-là des gens de Petit Nord. Dans les cas contraires, des dommages collatéraux seront énormes. Des tournevis dans les oreilles ou des madriers cloutés sur les corps. Mais aussi des incendies criminels ou des destructions méchantes. Vu la cohorte des malheurs que les conflits ethniques déclenchent dans la région, Mgr Théophile Kaboy exprime sa consternation. Pour l'évêque de Goma, ces diocèses qui couvrent 25 000 km², situés au nord-ouest du lac Kivu, frontalier avec les Rwanda et l'Ouganda, les conflits et la faiblesse de mécanismes de protection ont contribué à rendre plus difficile la vie à ceux qui s'y retrouvaient déjà avant au bas de l'échelle. L'ancien président de la Commission épiscopale Justice et Paix de la Conférence des évêques de la RDC pense que les JDJ, Journée diocésaine des jeunes, sont une opportunité pour s'adresser à tous les jeunes. Il nous a accueillis ici à l'évêché de Goma pour nous expliquer sa vision des JDJ dans un diocèse assis sur le feu. Les JDJ sont des rassemblements où les jeunes arrivent d'un peu partout dans le diocèse, même au-delà des frontières du diocèse, pour écouter, partager et consolider, d'abord en vue de vivre dans l'harmonie. Ça, c'est la première chose. Or, la pénible expérience des conflits que nous faisons depuis des décennies implique la jeunesse qu'on trompe un peu partout en faisant miroiter des intérêts mirages. Les Kadogo, les Maïmaï sont tous nos jeunes. Et voilà pourquoi je tiens beaucoup au JDJ, parce que pour moi, et pour l'Église,
s'est préparé un naufrage pour la société que d'abandonner les jeunes à la merci de tous les périls. L'ennemi à abattre pour nous, le premier ennemi à abattre pour nous, s'appelle le tribalisme. Et avec les JDJ, nous insistons beaucoup sur la fraternité pour bâtir ensemble notre société. Ces rassemblements nous permettent de venir ensemble, de construire, d'écouter, de partager en vue d'une harmonie, de vivre ensemble. Un événement religieux avec une influence record digne des plus grandes coupes du monde de football. Au niveau mondial, on parle des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Instaurées par le pape Jean-Paul II en 1983, les JMJ ont une volonté de rapprocher la religion des jeunes pour renforcer leur foi. Ces derniers participent à la catéchèse, à des forums et aux événements culturels pendant 5 jours. À l'invitation du pape, les JMJ sont prévus tous les 2 ou 3 ans dans une ville du monde, où le pape fera un déplacement pour une messe et une veillée. Mais au niveau diocésain, c'est les JDJ. Les jeunes de chaque diocèse se regroupent annuellement autour de leur évêque à l'occasion des dimanches des rameaux. Selon la particularité de la région, les jeunes participent aux mêmes activités que celles de JMJ, mais pendant 3 jours. Ainsi, après des kilomètres à pied, sur taxi-moto, par bus ou par avion, des jeunes venus de quelques diocèses de la RDC, du Burundi, du Kenya, du Rwanda et de la Tanzanie sont arrivés la veille à Goma pour participer au JDJ 2017. Avec leurs semblables de 28 paroisses du diocèse de Goma, ils sont plus de 30 000 réunis autour de l'évêque, à la place Jean-Paul II du collège Mwanga, dans un quartier situé à l'est de la ville. Il est 8h30 de ce dimanche 9 avril. La messe conclusive est sur le point de commencer. Dans la foule, la chaleur est déjà forte et le recueillement gagne la place Jean-Paul II. Puis, l'évêque arrive. Sasa Mungu amewatuma hapa usuli mwe kuchota maji na muyapeleke kwenu. Kwa sasa ninakumbuka zaidi kule kwetu Bwito, kwa vijana wa Bwito walio hapa, Wanyanzale, Wakatwe, Wakibirizi. Unajua kama siku hizi mambo yanazorota sana kule,
Niliomba zaidi ya nia tutolea katika hii sadaka kabisa, tukumbuke wale wote walio kule na vijana wa zile ngamu wanaporudia, wajaribu kukutana na wenzao wa vijana wengine walioingia katika mitego ya kukamata silaha, kuchinja, kumwaga damu na kuunguza manyumba. Et Monseigneur Kaboy ne lésine pas sur le moyen. À travers les aumôneries des jeunes dans chaque paroisse, il mobilise les jeunes sans distinction d'ethnie ni des religions, ainsi que leurs parents, juste pour les pousser vers une cohabitation pacifique. Tusimomoe mapendo yake, tufuate njia ametuanzisha kule Goma, nanyi vijana ndugu zetu mliokamata silaha muache pale. Damu imemwagika ya kutosha. Mungu anatualika sisi wote tuanze upya safari naye. Mais le Nord Kivu est une province où se mêlent pauvreté et méfiance ethnique. Nous voici à Office 2, un vieux quartier situé au centre des Goma, où nous sommes allés à la rencontre des mamans Charlotte. La dame est à sa deuxième expérience comme famille d'accueil. Elle nous parle de la procédure. Ça va nasema kakama tuta pokea ba toto bali bageni be batakuya manasema kwanza ku quartier kila mtu ajiandikishe. Bakisha sema ujiandikishe, wewe peke unajua nyumba yenye uko nayo, kapasite ya bageni benye unaweza kukamata. Wao nasema tu mimi ndapokea kama ni bawili, kama ni batatu, sawa. Kama ulisema ba garçon, utakamata ku ba garçon. Kama ni ba fille sa vile mimi ni ba fille mimi nazoya kukamata. Mina andikisha tu mimi ndapokea bafie mbili. Sasa ukisha kuandika bale bageni, ali unaenda sasa banakwambia kwa ibatafikia ni ku cathedral. Tunaenda tunabachunga pale ku cathedral. Et pour les critères, maman Charlotte affirme que rien ne motive les choix. Tunaenda kakule haujue mwenye utakamata. Banakuya tu wewe unakamata njo sakoshi ya mtu. Inaweza kuwa bo ni mtu gani, lakini sasa mwenyele sakoshi yeye peke anakufuata, hatuchagulake mtu hapana. Juu kila mtu anafika anakamata sakoshi, mwenyele sakoshi anakufuata. Njoo haujui mwenyele sakoshi. Njoo vile tu tunabapokeaka. Mwenyele kitu njoo huyu. Et pour la convivialité, sama nafika mimi napasha kumkamata vile mimi nakamata na mtu wangu batoto munyumba. Mimi namapatia programme si asubuhi mnalamuka juu mnapashwa enda kule kama na witer mlamuke asubuhi mutayarishe kwa ni kusukula basani banatumika bote tu sawa sawa, kisha bana kama kuko chai banakunywa, kama kuko bui banakunywa, afu banasindikiza mwenzabo kule ku prière saba narudia tena banakuya naye. Des propos confirmés par sa fille Maureen, qui a été aussi reçue dans une famille à Bobandana lors des JDJ 2016. Sali ni kamataka ni kambia tuko bawili, asi hakuna problem, nyumba ni akabambi, hata mkenji bawili vote. Dayara kafurai juko ibalikawa shakosa watu wakubeba. Yaka sima mini kuna bati, mina pata kulimua watu mbili, akatutuala shi bawili. Kanza sasa tueleze ma difficulties, ziziko mnyumba, sekzi watote wanachezesha masomo. Asima hizi niko mpeo mkubwa kuwaba niko saa dadabo, ni chance hizi mna ingia mwogo ni wasaidi kuwa kupatia makonsei kwa. Kulikuwa mwingine fii pale, alikuwa na fana, alikuwa na nisikia sana, sama na mwelezea, sama sana ndajikaza mara. Et côté cuisine, c'est les souvenirs de l'enfance qui lui étaient mélancoliquement remontés à l'esprit. Mwisiku mwisiku zenye walikuwa njo natuchomea miogo, wanailobika umai, kisha wanituchomea mangaribi, mkisha maliza kula. Kama kuna ongea waniwaletea mnakula bia. Mtu mwenye aujue, unampokea. Walikuwa kama sisi tunajuana depuis mbele, kunielezea vya mingi vya mfamili. Walikuwa très gentil. Dans une région où la suspicion et la méfiance ethnique rivalisent toujours, l'évêque ne cache pas sa satisfaction. Quand les jeunes gens arrivent, qui viennent de Birambizo, viennent de Rutshuru, de Bobandana,
de Masisi, de Mouesso, de je ne sais pas où. Et le beau geste, le bon accueil des habitants de Goma, c'est que ils ne demandent pas de quelle ethnie on est, d'où l'on vient. Il y en a même qui se disputent les enfants, les jeunes. C'est ça qui est un signal très beau. Et pour cela, je félicite encore une fois, je remercie les habitants de Goma pour cet accueil chaleureux. Ils nous aident précisément à entrer dans la cohabitation pacifique. Si cet esprit d'accueillir des jeunes sans leur demander des origines ethniques, tribales, on reçoit un homme parce que, on reçoit un jeune parce que, un frère, une sœur, créature de Dieu, eh bien, je pense que c'est là une grande leçon que le JDJ nous donne à nous tous pour essayer de vivre donc dans l'harmonie et de la cohabitation. Je félicite encore les habitants de Goma et je remercie et qui continuent chaque fois à avoir cet esprit, non seulement à l'occasion du JDJ, mais même après le JDJ, qui continuent à vivre la vie ensemble, sachant que nous sommes tous créateurs du même Dieu et que nous avons tous à vivre sur cette terre, en adorant le même Dieu, et surtout en nous aimant les uns les autres comme frères et comme sœurs. Pour l'évêque de Goma, les JDJ sont un moyen qui permet à chaque jeune d'aller à la rencontre d'autres jeunes. Un moyen qui permet à un jeune Congolais d'aller à la rencontre d'un jeune Rwandais. Ou à un jeune Rwandais d'aller à la rencontre d'un jeune Congolais. Une occasion nziza cyane ku buryo ituma urubyiruko rwo muri Congo imyumvire yarwo niyo mu Rwanda iyo duhuye twese tukabasha gusangizanya uko buri wese yiyumva bibasha gutuma twese tubasha gusobanukirwa neza noneho bwa bwo batwaye dufite muri twebwe bugasa nk'uburangiye nge rero numva cyahoraho cyane. Mais la paix, toujours marquée par les stigmates du génocide des Tutsis au Rwanda et les conflits armés en RDC, est loin d'être acquise entre les jeunes de ces deux pays. Nous avons traversé la frontière congolo-rwandaise pour aller à la rencontre des jeunes rwandais à Gisenyi, aujourd'hui officiellement renommé Rubavu. Une ville réputée pour sa très belle et large plage de sable blanc. Pour les jeunes rencontrés au Rwanda comme à l'RDC, les parents sont à la base des messages d'intoxication qui déchirent les deux peuples. Ahantu ubwo bwoba buva cyane cyane nkatwe abanyarwanda hari kintu twa twarishyizemo twumva ko Congo ari ahantu hateye ubwoba cyane. None ababyeyi bacu akaba ari bo bashaka kutubwira ati kiriya gihugu ntabwo ari cyiza gutya na gutya ariko iyo habayeho ibintu nk'ibi byo guhuza ko urubyiruko ugerayo tugasanga imwe batubwiraga wenda ntago ari byo ntago bibaho ego bibakure ariko hafi aha ngaho usanga urubyiruko tumeranye neza gusenga ntabwo babihari nta kibazo kiri mu madini ako kantu ikibitera ahanini iyo cyo gutinyana ukwacu ubundi usanga dufitanye urukundo ariko gutinyana bituruka ku bintu tuba twarishyize muri twebwe wenda kumva ngo Congo habaye intambara bagakurikiza ibintu byabaye mu Rwanda 94 bakumva ko abanyarwanda dufite ubugome muri twebwe ariko ntabwo ariko babiri n'ubwoba bw'ubusa muri hagati yacu. Nos grands-parents, nos parents nous disent que non, les Rwandais ce sont vos ennemis. Pour moi, on ne peut pas suivre ça. Comme moi, je travaille au Rwanda, je n'ai pas de problème avec eux. J'ai un patron rwandais. Et puis, par rapport au Congo, lui, il me paye bien. Pour ces transfrontaliers, tout homme est créé à l'image des dieux. Pourquoi les Congolais et les Rwandais ne comprennent pas cela? Muri Congo, à Kinshasa, on se gourre en hambar. Ariko izo ntambara zibaho ntabwo ari ntambara zadutandukanye ni ntambara zisanzwe zoroheshe zisanzwe bitewe n'iki n'impamvu na kadushaka icyo twe twifuzo na matugomba kuzirenga tukanazitsinda mpereye kuri njye ubwanjye Isaki nkaranara yuko muri Congo no mu Rwanda muri Pasteur Amarisi harangwa n'icyo bita unité ihuriro ry'urubyiruko mpuzamahanga iba ryahuje igihugu runaka cyangwa se impuza bihugu ni byiza cyane ko mbere na mbere rihuza ikintu kimwe nugurira hamwe unité ubumwe icya kabiri kumenyana
icya gatatu kurangwa na bwa rwa rukundo Yesu Kristo agize uti yadusabye. C'est quand on est loin qu'on peut dire des choses. C'est quand on est loin qu'on peut entendre des mensonges. Mais en attendant, quand on s'approche, quand on se rapproche, on comprend bien que le vivre ensemble, c'est ce que nous appelons le talisman de l'unité. On comprend bien que le vivre ensemble démentit tout ce qu'il y a comme préjugé. Et on a toujours dit, tu peux dire tout de moi quand tu ne me connais pas, mais viens vivre avec moi et tu trouveras que non, je ne suis pas ce monstre-là et que je peux être aussi un ange. Voilà, voilà, voilà ce qui peut se faire. Donc, que les jeunes vivent ensemble, qu'ils se rapprochent, qu'ils se parlent et qu'ils verront que ils ne sont pas obligés de s'y aller. Celui-ci pense tout simplement que Goma et Gisenyi sont les deux faces d'une même pièce. Nkubu umaze kwitabira ma forum nationali atatu abakongomani yo tujyanye muri bisi tujya ibutare tujya ikibungu muri forum nationali biranshimisha nange yo ngiye rero muri Congo twagiye mu butumwa bwo gusingiza Kristo turi kumwe n'abakongomani numva binshimisha ngiye cyane urabona ko tubona abantu turahura yo duhuye nkuko bakavuga wenda twahuriye muri yo forum nationali n'urugero baravuga murarara muri sare imwe bakavuga abakongomani bararara n'abanyagisenyi bararara muri sare imwe turahahurira ukabonana ibintu byiza cyane icyayi dufashe mu gitondo abakongomani ibyo batuzende tukabisaranganya kuko bumva yuko abanyagisenyi bafatanye na Kongo none bigatuma numva yuko twishimiranye kumva giye nta kibazo babine ahubwo numva ari ibintu byiza ahubwo byajya biba kenshi kugira ngo none abakongomani n'abanyarwanda muri rusange twumve ko turi umwe. Mais pourquoi l'évêque de Goma élargit les JDJ aux autres diocèses et jusque dans le pays de l'Afrique de l'Est? Nous avons jugé de faire partager notre expérience pour cette particularité de combattre ensemble l'esprit du laisser-aller face aux difficultés, face aux problèmes, combattre la résignation. Ça, c'est une chose qui nous guette tous. Et la façon dont nous combattons, nous disons, bon, associons les autres diocèses aussi, parce que je sais que les maladies des jeunes sont les mêmes partout. Cette résignation-là, nous avons une façon de la combattre, nous disons aux autres diocèses, venez, partageons, demain, vous aurez peut-être les mêmes thématiques, et nous serons prêts aussi à venir chez vous. Voilà donc pourquoi nous essayons de faire en sorte que dans les JDJ, nous devons combattre la résignation et savoir que, avoir la certitude que Dieu ne nous a pas abandonnés. Le partage dont parle l'évêque est visible à la maison des jeunes, les quiges de l'aumônerie diocésaine des jeunes. La maison des jeunes a été créée en 1982. Déjà, nous comptons 35 ans depuis sa création. C'était sous l'impulsion de Son Excellence Monseigneur Faustin Gabou. Et c'était créé pour encadrer la jeunesse dans les activités socio-professionnelles. Et bien avant l'éruption volcanique, la maison des jeunes à Sonsé comptait des infrastructures qui servaient les jeunes à leur apprendre les métiers. Et entre autres, on devrait apprendre aux jeunes la coupe-couture, la menuiserie, et on devrait apprendre aux jeunes la forgerie. Différents métiers pour aider justement la jeunesse comment se prendre en charge, ne pas seulement être des commandeurs d'emploi. Et donc c'était un centre véritable socio-professionnel avant l'éruption volcanique. Et donc vous êtes d'accord avec moi que peu après l'éruption volcanique qui a calciné tous les matériels qui aidaient la jeunesse dans ces différents domaines. Et donc elle est dans une phase de reconstruction. On est en train de voir comment doter de la maison des jeunes l'aspect avant l'éruption volcanique pour qu'elle soit encore un véritable centre socio-professionnel.
La Maison des Jeunes est aussi un lieu où les jeunes apprennent l'art, la musique, la danse et les théâtres. Mais la FAPAC, Maison des Jeunes, danse. Tu n'as pas de garçons à Rwanda, à Burundi, à Tanzanie. À tout cas, tu as un qui la mutu, moi, j'ai dit qu'il y a fait danser tout la mutika. La Maison des Jeunes permet à ces derniers à vivre l'art et les dialogues dans le respect, la joie et la paix avec les voisins. Il n'est pas peine de battre parce qu'on a gagné à vivre à ma kabile. N'ajoute moi n'importe quoi dans le parc ou nani. Moïse qui l'a tout le jenga pour dire moi. Congo n'a pas du mou Rwanda. Je trouve un d'apprécier trouver la chaise à tout. Tout n'est qu'à ta quoi ou moi. N'en déplaise aux esprits qui veulent, coûte que coûte, garder l'image du Nord Kivu comme les vivriers de la violence, la Maison des Jeunes est un espace qui rassemble les gens, jeunes, parents et vieux de tous les horizons, et principalement les habitants de la région des Grands Lacs africains, afin de célébrer la paix. Il n'y a pas de conditions pour l'accès ici. Et donc l'accès, il est gratuit. Et il n'y a pas aussi de conditions ethniques et, ni de conditions d'église. Donc il suffit que vous soyez seulement jeune. Jeune catholique, jeune protestant, jeune musulman, jeune dans n'importe quel jeune, on vous accueille ici. Et les jeunes se retrouvent facilement parce qu'il y a des éducateurs qui sont dans les différents domaines. Dans les domaines Kintire, il y a des éducateurs bien formés qui encadrent la jeunesse dans la Kintire. Et dans les domaines spirituels, il y a aussi des éducateurs, des prêtres qui sont bien formés. Et donc, tous les jeunes qui arrivent ici, se fixant leur vision dans un domaine quelconque, ils sont bien accueillis et bien encadrés. Ils reçoivent ce qu'ils attendent vraiment de la formation. C'est une occasion de prouver au monde que la paix peut se faire. C'est une preuve que nous pouvons aller au-delà et briser les mythes et les mythes des préjugés. Et c'est une preuve, encore une fois, qu'on peut vivre et qu'on peut vivre étant unis. Et que donc, pour les jeunes, c'est un autre moyen de pouvoir emprunter d'autres chemins, de pouvoir prendre, comme je dirais, de pouvoir entreprendre et de pouvoir faire une autre façon de vivre parce qu'ils ne sont pas obligés et ils ne sont pas obligés de pouvoir suivre les chemins là où ils sont manipulés. Mais le chômage reste un fléau dans la région et Mgr Kaboy ne cache pas sa frustration. C'est un grand problème que le chômage, c'est pas seulement à Goma, c'est pratiquement dans tous les pays. Je vois beaucoup de jeunes qui terminent les études mais qui n'ont pas d'horizon, qui une fois terminés des années de licence ou de doctorat, et se retrouvent là, sans emploi. Et ça devient vraiment un problème énorme pour la société, parce que les jeunes ne voient pas un avenir heureux, dans le sens d'avoir un emploi, un travail, un service rémunérateur, ça peut aussi, d'une certaine façon, créer des mécanismes de violence, des mécanismes de banditisme, de délinquance, auxquels nous devons faire attention et voir comment affronter. Donc, essayer d'organiser l'entrepreneuriat pour que les jeunes puissent trouver du travail. Mais, encore une fois, là-bas, il ne faut pas exagérer, parce qu'il y a comme un mot, manque d'emploi, chômage, qui s'est accaparé des jeunes. Alors, comme il y a comme un manque de recherche de solutions pour dire, mais est-ce que vraiment nous sommes condamnés à ne pas travailler? Nous sommes condamnés au chômage? Parce que c'est le fait de se poser cette question-là frappe déjà le chômage. Mais quand on se met dans une résignation pour dire c'est comme ça, on commence à chanter chômage, 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 en contrepartie, ce chômage-là, si on n'a pas de solution, si on ne cherche pas de solution,
ça peut nous créer d'autres problèmes beaucoup plus graves. Donc, moi je suis pour que nous nous organisions et les responsables pour que nos jeunes puissent trouver de l'emploi. Et en ayant de l'emploi, quand on est rémunéré, même si petitement soit-il, les gens n'ont pas la tentation d'aller maintenant chercher à se battre, ou à faire partie des groupes armés. Je crois que de ce côté-là, c'était vraiment un grand travail que nous devons essayer d'affronter dans ce sens d'occuper les jeunes et de faire en sorte que les cerveaux des jeunes puissent trouver aussi d'eux-mêmes et s'organiser pour des emplois. Nonobstant, les JDJ connaissent un engouement soudain pour les jeunes. Les JDJ 2016, organisés à Goma, ont réuni 10 000 jeunes autour de l'évêque. Et celles de 2017, dans la même ville, ont réuni 30 000. Nous mettons du soin à faire en sorte que nous créions l'étonnement. Et dans ce climat d'étonnement, les jeunes gens arrivent avec la soif, avec la faim. Et chaque année, nous constatons que le message des années précédentes font comme une propagande au milieu des jeunes. Ça fait que le mot JDJ devient presque un terme catalyseur chez les jeunes gens. JDJ, ça rappelle des bonnes choses qu'on a vécues ensemble. Et puis tout d'un coup, ça rassemble. On s'invite, on s'encourage. Et même les petits problèmes de chemin, la faim, la fatigue, pour les jeunes, sachant que ce qu'ils vont trouver est consistant et bon, tout cela est oublié. C'est ça qui fait que chaque année, pratiquement, nous avons ce succès-là. Certains jeunes se demandent même pourquoi les JDJ ne sont pas organisés deux fois par an. Kuvuga ngo babihagarike kandi ariho tubasha guhurira nk'urubyiruko tukabasha kuganira tukumvikana tugahuza urukundo tukabasha kumenyana ari nabyo bituma igihugu tugenda tukizamura mu buryo bwo gusenga ntago gye nabikomera ko bihagarika ahubwo ni ikintu cyakomeza niba cyarabaga nka rimwe mu mwaka kikaza yakiba nka kabiri mu mwaka. Vraisemblablement, les paris sont en train d'être gagnés, mais il y a encore du chemin à faire. Car les tireurs des ficelles, qui ne voient l'ascension sociale qu'à travers la violence juvénile, n'ont pas encore dit leur dernier mot.